qui dans ce livre. Et hier, je ne sais pas sur les réseaux sociaux, on vous a vu au marché. Inos Bina Wende. Popularité naïe, à tamité qu'elle est sous sous parce que ma camouza pendant des années qui soustait ou qu'est-ce qui ne va pas, il n'a pas bien à Kata Wende. Oui, oui, la bêta qui tourne à Wende, c'était pas pour tester ma popularité en tout cas parce que je sais que Jésus est quand même assez populaire dans mon corps. C'est pas na Wende, c'était alors que j'ai testé la popularité, mais c'était à l'occasion de. Et c'est mois d'octobre que nous appelons octobre rose, que je me suis dit qu'il fallait que j'aille soutenir ma maman avec juste un peu de petits moyens. Dans notre stade de martyr, parce qu'à nos jours, pour être certifié vraiment en quelque sorte, il faut jouer cette stade-là. Je pense que j'ai toujours eu cette idée depuis tout petit parce que ces stades-là, c'est très souvent, en tout cas, selon ce que nous avons observé par rapport à tous nos aînés, ça a toujours été une étape très cruciale parce que, et comme on a dit, moi, façon dont on s'est confirmé, même si je suis sûr et certain que, en tout cas, selon ce que je vois tous les jours, ce que je vis tous les jours, et bien, un peu partout dans mon cas, du sommet, c'est déjà de jouer au stade du martyr, je la garde toujours et je la chéris dans ma tête quelque part. Tout est question de temps et surtout quand on a des bons partenaires qui veulent soutenir cette initiative-là. Chez Djonga, restaurant spécialités africaines à la portée de tous. Un cadre attrayant vous accueille 7 jours sur 7. Au numéro 2, rue François Villon, 94 230, à Cachan, en pleine région parisienne. RRB, station Arcueil-Cachan, pour déguster des mets délicieux. Choix à la carte, Ntaba, Cabri, Brochette, Kamundele, Ngoulou, Madesu, Losonapundu, du poisson, du poulet mayo, Makayabu, Bitekuteku, et j'en passe. Rendez-vous chez Djonga. Dans une ambiance musicale, modèle Yambo Cannabiso, chez Djonga. Venez, venez, vous allez vivre du vrai. Chez Djonga, votre restaurant vous propose de vendre des plats divers à consommer sur place ou à emporter. Oyo Sukanama Solo, commandez au 09 82 63 82 85, numéro fixe. Ou au 06 35 47 51 81, numéro WhatsApp. Votre restaurant chez Djonga. Je suis docteur Pichutonele, pharmacien de formation. Je suis formé à l'université de Kinshasa, à la faculté de pharmacie. Et puis je fais d'autres masters en transformation des agro-ressources à l'université Marie Ngouabi et au Canada en préparation de cosmétiques thérapeutiques naturelles. Gel pour le traitement de taches, tampons. C'est un artiste complet, danseur, chanteur, compositeur, interprète.
Donc, d'abord parce qu'on l'aime beaucoup, mais aussi parce que, comme vous le savez, l'Institut français, ça entre dans le cadre d'un partenariat, d'accord de coopération bilatérale entre la RDC et la France. Et que dans ce cadre-là, nous avons des missions à mettre en œuvre, ici, particulièrement à Kinshasa, mais aussi dans tout le pays, puisque nous avons quatre instituts français sur l'ensemble du territoire. L'une de nos missions, c'est d'abord l'émergence. Ça, je tiens à dire, on essaye de promouvoir des jeunes artistes, on leur offre des créations, on leur offre des espaces de création, des résidences de création. Et puis aussi, on a, et c'est dans ce cadre-là qu'on accueille Inosby, on a une mission sur les industries culturelles qui favorisent la visibilité des artistes qui sont déjà reconnus, au moins dans leur pays, et voire à l'international. Et dans ce cadre-là, nous accueillons divers artistes qui entrent dans le cadre des industries créatives et culturelles. Nous avions déjà commencé par d'autres artistes, nous allons continuer sur cette lancée, mais donc vendredi prochain, nous aurons une vie à la Grande Halle de l'Institut français. Je pense que j'ai à peu près tout dit. Je vous remercie déjà d'avoir accepté notre invitation, parce que c'est notre invitation. Et je laisse la parole. Ça me manquait cette scène parce qu'il était déjà habitué à la scène. Ça a toujours été avec Stéphane, moi avec mon groupe, on s'est continué dans l'espace. Et donc, j'ai profité aussi de dire merci à tous ceux qui étaient là aujourd'hui. Les médias ont aidé à transmettre votre message. Et aussi, c'est important d'oublier de remercier nos partenaires. Sont là aujourd'hui pour bien le présenter. Je pense que l'événement déjà sera un succès pour moi parce que je sais déjà que nous sommes dans le bon temps. Et donc j'ai hâte de vivre cette expérience avec vous tous. Et puis voilà. Merci beaucoup. Bon, dans le cadre de la préparation de son conseil, parce qu'avec la TMB, disons que c'est une longue histoire. Une longue histoire qui a débuté il y a presque 9 ans, avec Yvan Zanizé. Il y a presque 9 ans que ça a débuté avec Yvan Zanizé, que la TMB l'a pris comme ambassadeur, et que nous l'accompagnons en tant que sponsor dans un bon nombre d'événements qu'il organise. Et aujourd'hui, pour nous, la raison est très simple. Pourquoi est-ce que nous le faisons? C'est déjà de montrer, avec du recul, quand je reviens 9 ans en arrière, c'est déjà de promouvoir cette culture de l'effort, cette culture du travail qui a toujours caractérisé l'identité. On l'a vu commencer, on l'a vu progresser, et quand on regarde au fil de l'eau les efforts qu'il a déployés pour arriver là où il est, je pense que c'est un très beau message aujourd'hui. Et c'est ce message-là également que nous voulons passer auprès de la jeunesse congolaise. Cette culture de l'effort, cette culture de l'excellence. Et dire que pour nous, c'est un modèle de travail de quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur lui, qui a beaucoup travaillé sur ce qu'il produit. Et quand on regarde aujourd'hui, nous sommes fiers de le compter comme ambassadeur de la TMB. Je suis sûr encore que son concert sera un très très bon succès. Je vous remercie. Alors, voilà, bonjour à tous. Moi, c'est Olivier Mouyéyé, je suis coordonnateur de communication d'Africel. Alors, Africel, le réseau du peuple. Je ne sais pas s'il faut vraiment ajouter quelque chose par rapport à ça, mais j'aimerais juste mettre le point sur un élément important, qui est l'accompagnement, notre volonté d'accompagnement. Cette volonté se manifeste premièrement par notre abondabilité de nos offres et services. Nous faisons en sorte que tout ce que nous proposons à la population soit de qualité et surtout soit moins cher. Et cette volonté d'accompagnement s'étend également dans toutes les initiatives et événements organisés par tous les Congolais
et même par toutes les communautés qui vivent en RDC, à l'instar de ce cancer magnifique d'Inosby. Et je dois dire qu'Inosby, on l'aime beaucoup. J'ai beaucoup parlé d'Inosby. Chez AFC, on l'aime beaucoup, vraiment beaucoup. Et nous ferons en sorte que ce cancer soit magnifique. Nous mettrons les moyens nécessaires pour que ce soit un véritable succès. Merci. Alors, si vous le souhaitez, nous allons passer à la séquence des questions. Si vous avez des questions pour Inosby essentiellement, d'ailleurs. Voilà. Bonjour à tous. Je suis Christian Diacono de la radio Libre de Service FM Live. J'ai trois petites questions. La première essaie de savoir, ça fait beaucoup de temps, beaucoup d'années, nous avons manqué l'artiste Inosby dans la scène à l'Institut français. Et quelle sera la caractéristique de ces concerts du 18 octobre? À quoi doit-on s'attendre? Faites-nous un BRD. Là, c'est la première question. La deuxième question essaie de savoir, est-ce qu'il y aura des opportunités de rencontrer Inosby après les concerts? Et puis la troisième question, est-ce qu'il y aura des invités spéciaux ou d'autres artistes qui feront la première partie? Merci. Merci pour la question. Pour la première question, en tout cas, je pense que dans mes souvenirs, la dernière fois que nous avons joué ici, c'était en 2018, si je me rappelle bien. Et ce qui est sûr, en tout cas, nous avons grandi en termes de répertoire, nous avons grandi en termes d'expérience. Il y a eu beaucoup de changements au niveau artistique comme au niveau professionnel aussi. Donc ça sera encore plus intéressant. Et en tout cas, j'ai trop hâte de vivre ça avec tous ceux qui seront présents ces jours-là. Et ça, c'est la première réponse. Et pour la deuxième, oui, il y a une liste des artistes qui vont aussi intervenir, des jeunes artistes que vous connaissez ou que vous allez découvrir. Et en première partie, comme en guest, et comme d'habitude, dans tous mes concerts, toutes mes prestations, il y a toujours des surprises aussi que je ne peux pas en même temps dévoiler. Donc, vous devez être là pour vivre ça. Et la troisième question, c'était par rapport à... Ça serait possible de vous raconter après le concert? En tout cas, déjà, ça sera une rencontre. Et puis après ça, bon, je pense qu'il y a toujours possibilité. Avant, je ne suis pas sûr parce que moi-même, chaque avant-concert, j'ai stressé un peu parce que je dois me donner mon meilleur, donc ça me rend un peu nerveux, même si je suis déjà habitué, mais il y a toujours ce petit côté-là qui ne manque pas. Mais après le concert, effectivement, pourquoi pas, je ne vais pas promettre à tout le monde qu'on va directement faire une réunion autour d'une table parce que c'est déjà un espace de plus de 1500 personnes, mais au moins, je suis sûr qu'après chaque concert, j'ai toujours l'habitude d'interagir avec quelques personnes. Donc voilà, il y a cette possibilité-là aussi. Bon, la question à Soukara Naliga, la préférée de la spécifique, pour ma capoison, le KMPD, la partie. Merci pour les questions. La première question par rapport à ce que je prévois cette fin d'année ou l'année prochaine par rapport à les productions en Europe, déjà, je vais profiter d'abord de remercier tous les fans qui sont aussi en Europe parce que dernièrement nous avons joué en Belgique. C'était l'année passée en décembre à la Madeleine et ce qui était aussi une réussite. Et moi j'ai toujours l'habitude de parler de choses quand nous vous avons déjà donné une certaine précision, une date. Je suis en train de prévoir ces prestations, beaucoup de prestations d'ailleurs l'année prochaine. En tout cas pas cette fin d'année en Europe, ça va dépendre, mais en tout cas l'année prochaine nous avons
beaucoup de prestations en vue. Et moi, je parle souvent de ceux qui sont déjà affichés. Par exemple, vous avez vu que nous serons à Afro Nation et il y aura plein d'autres dates qui vont s'afficher, que ce soit dans des salles, que ce soit dans des grands festivals. Et ça, c'est une chose. La deuxième question, je n'ai pas de réponse parce que je n'ai pas le monopole de faire des classements de qui a fait le meilleur concert. Déjà, comme ce n'est pas mes concerts, je ne vois pas l'importance pour moi de faire des classements, mais j'envoie toutes mes fleurs et mes bonnes énergies à tous les artistes qui continuent à se battre pour continuer à monter et faire la fierté de notre pays. Et pour la troisième question, que les artistes n'arrêtent pas de chercher à collaborer avec les artistes du monde parce que ça amplifie notre exposition. Les comportements de chaque artiste, ce n'est pas les mêmes comportements des gens qui vont collaborer avec lui. Donc, pour me rappeler, pour la bonne et puis Didi, Zoka, tu es bien musicien. C'est la même chose, il y a aussi des grands artistes comme les Arkeli, ils ont leur comportement, mais on ne peut pas ignorer que c'est quand ils ont travaillé, c'était des bons artistes et on va continuer à apprécier leur bon côté. C'est des côtés sombres, on leur laisse ça, mais les côtés positifs, c'est ce qui nous a donné peut-être aussi envie d'entrer dans ces métiers. Donc de ce côté-là, je ne pense pas que je dois décourager les artistes à chercher des filles parce que c'est important. Et bonjour, le morceau à succès. Vous avez déjà prévu dans votre calendrier de jouer dans notre stade de martyrs parce qu'à nos jours, pour être certifié vraiment en quelque sorte, il faut jouer ce stade-là. C'est stable plutôt. Merci. Merci pour la question. Et je pense que j'ai toujours eu cette idée depuis tout petit parce que ces stades-là, c'est très souvent, en tout cas, selon ce que nous avons observé par rapport à tous nos aînés, ça a toujours été une étape très cruciale parce que, et comme on a dit, moi, façon dont on s'est confirmé les sous. Même si je suis sûr et certain que, en tout cas, selon ce que je vois tous les jours, ce que je vis tous les jours, on a ébani un peu partout dans le monde, mais cette idée-là de jouer au stade des martyrs, je la garde toujours et je la chéris dans ma tête quelque part. Tout est question de temps et surtout quand on a des bons partenaires qui veulent soutenir cette initiative-là. Au bon endroit, à niveau d'endroit, en tout cas, je me dis, c'est juste question d'avoir tout en place, d'avoir tous les moyens, mais j'ai et les répertoires et les publics pour affronter ces stades-là. Et donc, restons vivants et courageux et ambitieux. Et je pense, bientôt, vous aurez des nouvelles. Merci beaucoup. Voilà, merci. Je pense mon témoin de monter mon CD, un média en ligne. Inospi, j'aimerais savoir, votre musique est souvent décrite comme un mélange unique entre la tradition congolaise et les influences modernes et internationales. Et des influences modernes et internationales. Comment parvenez-vous à équilibrer ces deux mondes dans votre processus créatif pour ces concerts du 8 octobre? Votre musique est souvent décrite comme un mélange unique entre la tradition congolaise et les influences modernes et internationales. Comment parvenez-vous à équilibrer ces deux mondes dans votre processus créatif pour ces concerts du 8 octobre? Et la deuxième, le public entend avec impatience ces grands penseurs. Quelle signification particulière cet événement a-t-il pour vous à ce stade de votre carrière et quelles émotions espérez-vous transmettre à vos fans lors de cette performance? Merci. Merci. Comment j'ai fait pour
marier les deux mondes artistiquement. Et dans la bosana, le bâche est fait déjà. Maintenant, ta question est en même temps difficile, mais en même temps. En tout cas, ce qui est sûr, je marie toujours la musique urbaine du monde avec notre musique congolaise qui est très large aussi. Et je pense que j'essaie juste de rester moi-même. Je suis un enfant qui a grandi en écoutant la musique congolaise, mais aussi en consommant, en tout cas tous les jours, la musique qui vient de l'extérieur, la musique américaine, française, de l'Afrique de l'Est aussi. Voilà, de l'Afrique de l'Est. Comme je le dis souvent, quand on est né à l'Est, on a aussi cette musique de Swahili Vol, de Kenya, Tanzanie, qui est à côté de nous, qui nous influence beaucoup. Nous avons aussi un peu cette tendance d'écouter beaucoup de la musique anglophone parce que la plupart de ces pays qui sont à côté de nous, en dehors d'être swahilophones, c'est aussi des pays anglophones. Et puis venant à Kim, des allers-retours depuis 2010 par rapport au concours des superstars, j'ai eu aussi à découvrir que voilà, il fallait aussi beaucoup écouter tous les jours la musique plus francophone. C'est au fait à qui nous avons vraiment commencé à beaucoup écouter la musique francophone. Et bon, la musique maintenant en Lingala, même si à Goma de base on ne parle pas Lingala, mais depuis que j'ai commencé à consommer plus des génériques, il y a Wenge, Maison Mère, il y a ma quartier latin. Et c'est après, avec l'âge maintenant, quand j'ai grandi un peu, j'ai commencé aussi à m'intéresser à la rumba. Donc je suis vraiment tous ces cocktails-là, et c'est ce qui fait de moi ce que je suis. Et même dans ma façon aussi de transmettre ma musique, j'ai fait tous ces mélanges-là, j'essaie de mettre ça ensemble, et c'est ça l'afro-polo. C'est pour ça que j'insiste toujours par rapport à l'afro-polo. Et donc, merci d'avoir reconnu ces côtés-là. Et la deuxième question, c'était... C'est que le public, en tout cas, ça sera un concert avec plein d'émotions parce que déjà l'espace est bien paramétré pour un concert qui est, je pense, c'est pas en même temps un concert VIP, mais c'est pas aussi un concert comme quand on joue vraiment dans la cité. C'est un concert qui est médiocre, donc c'est un concert qui me permet de mélanger toutes les émotions. La chaleur, la douceur. Et donc c'est un concert, je pense, qui sera très riche en couleurs. Donc nous allons exploiter tous nos côtés. Nous allons vous jouer de la rumba congolaise, nous allons vous jouer de l'afro-congo comme il faut. Donc nous allons danser, nous allons chanter, transmettre des émotions. Peut-être même nous allons prier, qui sait, soyez là. Et donc, voilà. Merci beaucoup. J'aurais une dernière question. Oui. C'est David Munisco. Il y a une rumeur qui circule que Inos Bibi est une personne non grave à la diaspora française. Bon, je fais allusion aux collaborations. Et la rumeur raconte que voilà. Il y a quelques personnes très mal intentionnées ont pu voir toute la diaspora congolaise qui réside en France, on va dire les artistes, que vous ne puissiez pas collaborer avec eux. Et bizarrement, quelques collaborations que vous avez faites avec la diaspora, c'est avec des musiciens congolais d'origine belge, on va dire Damso et la bœuf, la fraîche. Cette rumeur, vous pouvez la démentir ou c'est vraiment une vérité? C'est une rumeur peut-être, mais tout est question de temps parce que, à ce que je sache, je coopère bien avec beaucoup d'artistes qui évoluent en France. C'est des amis, on parle de temps en temps.
Spanglish, Dadju, il y a même les plus jeunes, les Jingeling, qui se croisaient dernièrement au Zénith de Paris. Merveille aussi, j'espère que vous connaissez, elle chante trop bien. Donc je coopère pas mal avec pas mal d'artistes d'origine congolaise mais qui évoluent en France. Et c'est vrai que c'est juste tombé que voilà, j'ai déjà pu collaborer avec. Pour moi, en tout cas, tous, c'est un corps, que les artistes soient de Belgique ou de France. Pour moi, en tout cas, parce que c'est le même public qu'on veut atteindre. Damso, il est toujours dans les classements en France. Et Fresh, Caris aussi. Yesko, là, à côté de l'Ivoirien, mais c'est d'origine ivoirienne, mais qui évolue en France. Donc, c'est question de temps. Au contraire, je pense dès que nous avons travaillé avec l'artiste, nous avons un autre costaud. Comme nous avons un autre bouquet, parce que quand moi-même je regarde, je vois Damso, Caris, je vois Fresh, c'est vraiment. Il faut pas dans ma bataille, dans un peu de travail. Mais en tout cas, ça doit rester peut-être une rumeur, mais moi je ne suis pas vraiment au courant. Et moi, je demande toujours à mon public d'être patient et vivre avec moi les étapes. Je ne suis pas un artiste de 40 ans ou 50 ans pour qu'on commence déjà à mettre des points sur ma carrière. Je suis quelqu'un qui est jeune. J'ai fait des choses selon. Et puis un artiste indépendant, donc j'ai fait des choses selon mon timing. Merci. Bonjour tout le monde, bonjour Inosbi. Je suis Dindy Fabio Ristorm, Congo 24 TV. Inosbi, question à M. Zali, le Lokonini, Oyesai, et Sali que Banzembo Oyo, le Salva Single, comme Piaka, Maboko Migaï, ils en ont plus de vie, plus d'écoute que Banzembo Oyo, ils en ont l'album Kalki. Et la dernière question est que. Ma dernière production, comme vous avez toujours accompagné la reine, est-ce que le concert où il y a le 18 octobre, comment est-ce que vous êtes pour la production de l'été? Merci. Mais à côté, parce que déjà, Calcul, c'est un EP, c'est pas un album, c'est un projet de. Je ne calcule pas les succès comme ça. Ouais, tu as sorti des singles, ça a eu plus de succès que tel projet. Déjà, c'est faux parce que je suppose qu'en termes de visibilité, il y a par exemple une chanson qui est sur Kaju, une chanson CT qui, pour moi, jusque-là, c'est un de mes records sur la nouvelle plateforme qui fait vraiment la promotion des chansons TikTok. Moi, personnellement, à ce que je sache, j'ai jamais vu une chanson de moi qui a plus d'un demi-million de publications, donc des gens. De partout, un peu partout, de tous les continents qui font des vidéos. Et c'est toujours sur ces projets Calcul. Pierre a été sorti avant Calcul, à ce que je sache. Et. Mais bah, tu sais, quand je suis là, c'est militaire en quoi. En tout cas, je ne peux pas être. Mais moi, on a mélangé, ma bombe, il a été surtout avant. Non, par rapport à Sindal, il y a des pays qui sont venus. Surtout à l'IPP, il y a des pays qui sont venus. Vraiment, on comprend déjà pas Sindal. D'abord, on a compris de l'autre côté. Puis l'autre, on a compris de l'autre côté. On a compris de l'autre côté. Et puis, tu mélanges un peu de tout. Ma Bokoum, il a été sorti avant. Pierre a été sorti avant. Calcul est venu après. Mais pour la ligne, nous avons calculé. Si elle a bossé à Calcul, c'était CT. Tu vas voir les résultats. Calcul en termes même des temps de sortie. Tu vas voir si ton raisonnement est stable. La limite est là, nous avons posé. Le petit raisonnement est stable. Mais je pense que c'est même pas ça, en fait, le but. Le but, c'est que moi, je continue à donner à mes fans tout ce que j'ai à proposer. Donc tout ce que j'ai à proposer, je vous donne. Et puis, toutes les chansons ne vont jamais avoir la même réception.
Peut-être 4 ans, 5 ans, néo-comme ça, 5 ans. Donc, tout ça, c'est mon catalogue. Et moi, je ne vois pas, par exemple, commencer à comparer. Ouais, tu vois, projet Oyo, pour la Nini, surtout pour la Nini, on a un gars qui a fait ça à la côté parce que, pour le disco, on a ça à la Nini, on a aussi un projet pour Souki, si. Hein, oui. Donc, voilà. Mais en tout cas, moi, je continue à vous proposer des projets parce que je crois en la musique, je crois en l'Afro-Congo. Et c'est ça que nous allons vivre ce 18 octobre. Donc, bienvenue. Nous allons prendre les deux dernières questions. C'était quoi? Ah, par rapport à l'accompagnement des règles dans toutes mes prestations, je pense que c'est aussi faux parce que j'ai fait beaucoup de prestations en solo. Rebo, c'est une artiste qui évolue aussi en solo. Donc, il y a des prestations où on se retrouve ensemble, il y a des prestations où on n'est pas ensemble et c'est tout à fait normal. Donc, toutes les dernières productions. Déjà, je ne sais pas si vous le savez, quand on a quand même trouvé toutes les questions, hein, normalement, vous avez vu que ma tournée a connu beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de prestations que je n'ai pas pu faire. Parce qu'il y a un problème, on va emmener les toucher dans ma case. Et ma prestation, alors, on a dit, n'a pas de domaine, n'a pas de domaine. Et ma prestation, même il y a avant, là, c'était en Europe, et n'était pas là. Ce qu'on a joué, batté par rapport à ça. C'est une artiste qui évolue en solo, donc vous pouvez la voir à mes côtés ou pas. Et tout dépend des programmes que nous avons et tout. Merci. Merci. La télévision, également pour les comptes de la radio. Et Inosbi, en observant ce que vous faites ces derniers temps, les gens pensent que vous êtes devenu trop rare dans les médias congolais. On ne sait pas, c'est une manière de vous éclipser ou de ne pas participer à des débats ou à des réalités qui touche la société congolaise, parce qu'on vous connaît également avec votre franchise. Peut-être que vous évitez de vous actualiser ou de dire quelque chose qui peut-être ne va pas plaire ou va plaire à certaines personnes, pour que demain, après demain, on parle de la polémique. Pourquoi cette rareté inospite? Et hier, je ne sais pas sur les réseaux sociaux, on vous a vu au marché, inospite na wende. Merci beaucoup. La première, c'est par rapport à la rareté dans nos médias. J'avoue, c'est vrai, comme vous savez, je pense que comme vous tous, bisognons sur Tokola. Et je ne vais pas dire que ce nous t'a collé, il faut à ça, ma camoufle, mais moi je suis quelqu'un qui aime beaucoup observer. C'est vrai, quand je parle, j'aime jamais faire les choses à moitié. J'aime dire tout ce que je pense parce que je crois en mes idées, je crois en ce que je peux proposer en termes d'image. Mais en même temps, c'est parce qu'il y a beaucoup de choses qui nécessairement ne me plaisent pas en termes de médias, en termes de communication, parfois tout ce qui se passe chez nous. Et donc moi je me suis dit, à un moment donné, que voilà, il faut que je choisisse. C'est quand j'ai des choses vraiment importantes à communiquer que je me présente, comme aujourd'hui nous sommes en conférence de presse par rapport à un événement très important. Et là, je me sens dans l'obligation de communiquer avec vous. Mais malheureusement, comme vous le savez,
cause à l'actualité, la cannabis est comme un doigt la plus disponible à faire des émissions. Et moi, je ne me vois pas faire cette carrière-là. Donc, pour la vie, chaque jour, il faut gagner la vie, ça va être la vie. Mais je suis artiste musicien. On attend que je sorte des chansons, on attend que je fasse des spectacles. Et c'est par rapport à ça que les médias vont m'aider à transmettre mon package à mon public. Maintenant, comment on peut changer la façon de faire? Comment on peut le au fait, on a l'impression que le public est dans la famille, on a un dessin animé. Donc, à taba bouni, à taba soigné, pour la vie, on a et puis après vous passez à autre chose. Mais moi, je pense que je suis dans une position où je n'ai pas en même temps envie de donner dans quelque chose qui me renvoie des énergies négatives. Donc, quand il y aura des choses importantes à communiquer, comme autour d'un événement aussi important, je vais toujours me présenter devant les médias sans crainte. C'est pas aussi parce que je pense que ouais, encore ben l'homme on peut choquer, mais c'est parce que je ne vais juste pas être dans les mix de tout ce qu'il y a aujourd'hui. Il faut chaque jour choquer. Ou bien expressément dans ce soit déformé français. On n'est pas tous obligés de faire la même chose. Et donc, ba fan nanga, il faut pas la patience. Et puis où attend la musique c'est tout. Parce que quand on a peine trop mis dans les médias sans rien communiquer, comment a demandé pas mal. Par rapport à la deuxième question, la métaki tourne à Wenze. C'était pas pour tester ma popularité en tout cas parce que je sais que Jésus est assez populaire dans mon corps. C'est pas c'était popularité, mais c'était à l'occasion de ces mois d'octobre que nous appelons octobre rose, que je me suis dit qu'il fallait que j'aille soutenir ma maman avec juste un peu de petits moyens. Et en même temps aussi, ça m'a fait plaisir parce que depuis Nadiaka, Namonate, que j'ai en acquis ça là-bas pour soi. Mais je ne sais pas au fait. Moi, dans ma tête, depuis toujours, je sais que les poissons, c'est toujours mort. Nous autres, attendons la pour garder fraîcheur dans l'eau. C'est toujours dans l'eau, c'est vivant. Et on m'a mis ça dans les sacs. Et et donc, c'était une expérience que j'ai vécue pour ma toute première fois, sincèrement. Parce que même quand j'étais à Goma, quand j'étais tout petit, j'avais pas encore fait des courses parce que j'avais pas l'âge, j'étais pas intelligent. Et c'était ma première fois de vivre ça. Donc, je tenais à partager ces moments-là avec mes fans parce que je suis actif sur les réseaux sociaux. Et voilà, c'était une bonne ambiance en tout cas. Merci encore à maman Vandel et que Dieu vous bénisse pour tout l'amour en tout cas que vous partagez. Donc, prochainement encore, je pense. Dans ce, je vais vous inviter exactement. Et oui, après tout, que ça, Baba Pilo, vous avez un peu ma bête. Merci beaucoup. La dernière question. En tout cas, surtout pour les concerts, oui. Il y a juste une petite portion de la famille. Moi, avec mes grands frères, mes trois grands frères, la Nega Boulo, c'est dans la capitale où tout se passe. Mais en tout cas, tout mon esprit dort à Goma. C'est pour ça, à travers même cette question, je profite encore de présenter mes sincères condoléances à toutes les familles qui ont été touchées avec les naufrages que vous avez vus sur les réseaux sociaux. Ces bateaux qui ont vraiment touché. Vous allez voir, dans une seule famille, on a perdu. Et papa, et maman, et les enfants, parce que par exemple, ils venaient d'un deuil, ou bien ils venaient d'une activité quelque part, mais ils étaient sur ce même bateau-là. Donc c'était vraiment catastrophe, mon boyo, et touché. En tout cas, je ne peux pas compter le nombre de familles, et jusque maintenant, je suis sûr qu'il y a encore des familles qui ne sont pas encore au courant de qui ils ont perdu, ou bien de quel ami ils ont perdu.
Donc, je profite vraiment avec tous les respects de présenter mes sincères condoléances à toute la population et des Goma et des Bukavu, parce que nous partageons toujours la même famille. C'est cela qui nous unit. Et malgré qu'il est des fois méchant avec nous, mais c'est le lac là qui est au centre entre le Nord Kivu et le Sud Kivu. Donc, comment je vais toujours passer là-bas, et voilà. D'accord, merci. C'est la fin de cette conférence. Donc, disons un grand merci à la présidente.